Bonsoir les leaders, c'est Farida Akadiri. Donc, il y a quelques jours, j'ai réalisé que écrire, c'était pas mon fort. Donc, faire à chaque fois, faire des newsletters et tout, ça me demande beaucoup d'énergie. Mais par contre, utiliser ma voix, ça, je sais bien faire. Donc, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, on va alterner les newsletters et les audio news. Donc, je suis ravie. Si vous m'écoutez en ce moment, merci. Merci de prendre votre temps précieux pour écouter cet audio. Et donc, j'aimerais vous inviter à un événement que je vais organiser mardi soir. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, hier, j'ai été invitée à une conférence par une de mes amies, donc vraiment très intéressante et tout. Mais je suis rentrée, j'étais frustrée en fait. J'étais frustrée parce que je voyais sur scène un potentiel incroyable. Je voyais dans la salle des vies potentiellement changées, des entreprises potentiellement changées, mais parce qu'elle n'avait pas réussi à se positionner correctement, parce qu'elle avait perdu son objectif de vue ou parce que peut-être elle ne savait pas comment faire, cela n'a pas fonctionné. Et donc, du coup, elle s'est retrouvée un peu dans le piège de beaucoup d'entrepreneurs où vous jouez un peu les pépés, vous parlez pour parler au lieu de parler pour closer. Et je m'explique en fait. À chaque fois que vous avez l'opportunité de prendre la parole en public, ou même, hein, je dis en public, ça peut être devant deux, trois ou plus de personnes, 100 personnes, ou même dans une relation en individuel, votre objectif, c'est de parler pour un but bien spécifique. Sinon, en fait, vous perdez le temps. On a tous 24 heures par jour et le temps est la ressource la plus importante que nous avons. Donc moi, j'étais frustrée parce que je pensais que j'allais trouver des réponses à mon business qui allaient permettre de l'emmener au prochain niveau. Mais c'était fun, bien évidemment. C'était motivant, bien évidemment. Mais ça ne résout pas mon problème. Donc peut-être qu'aujourd'hui, en fait, votre business, vous trouvez qu'il ne grandit pas assez vite. Vous êtes peut-être frustrée. Et la question que j'ai pour vous, c'est est-ce que vous faites la même erreur qu'elle, en fait? Vous parlez, vous faites beaucoup de choses, mais vous ne restez pas focalisé sur l'élément le plus important qui est de closer. Donc, je vais vous dire mardi soir lors du webinaire que je vais organiser, je vais vous dire spécifiquement les choses, les erreurs qu'elle a commises et les erreurs que vous devez donc arrêter de commettre et surtout comment vous pouvez changer ça. Vous n'avez pas besoin d'être conférencier, d'accord? Pour ceux qui connaissent mon histoire, vous savez très bien que je suis timide, je suis introvertie. Prendre la parole en public, ce n'était pas forcément quelque chose de naturel, mais j'ai appris. Pourquoi j'ai appris? Parce que je me suis focalisée non pas sur moi, mais sur la valeur que j'avais envie d'apporter aux gens. J'avais envie de voir les gens se transformer de la même manière que j'avais été transformée et je savais que j'avais quelque chose à transmettre. Donc la seule question qui doit vous motiver, c'est penser à votre entreprise maintenant. Et si vous êtes convaincu à 100% que votre entreprise a une raison d'être, et que vous devez absolument partager vos produits, vos services, car vous pouvez changer des vies, vous pouvez changer des familles, vous pouvez changer des couples, vous pouvez changer des entreprises, vous pouvez changer le monde avec ce que vous avez une responsabilité. Et je vais vous dire en fait, parce que je suis rentrée hier soir et j'ai dormi ce matin, il était certes 7 heures du matin, parce que j'étais frustrée, mais en fait, aujourd'hui, quand je fais le bilan, c'était... Je ne lui en veux pas à elle, en fait. Je m'en veux à moi parce que je n'ai pas su la closer. Et que je voyais venir le truc. Je la voyais comment elle s'éparpillait et tout, mais je ne l'ai pas convaincue. Donc, ça va être différent maintenant. Donc, j'ai vraiment envie de vous partager ça, que vous preniez conscience littéralement. Elle aurait pu rentrer chez elle, embrasser ses enfants et leur dire, maman, elle a bien travaillé. Il y a 10 000 euros qui viennent de tomber dans le compte en banque. Donc, je vais vous montrer exactement la stratégie pour gagner 10 000 euros en 90 minutes de prise de parole. Et ça, c'est valable que vous soyez débutant, que vous soyez, votre entreprise a déjà 2-3 années, au contraire, vous êtes aguerri. Donc, un autre des speakers à qui j'ai parlé, ben, lui, il a ses entreprises depuis beaucoup plus longtemps, il a l'habitude de donner des conférences, mais je lui ai posé 2-3 questions, il me dit, ben, non, en fait, il ne sait pas faire ça. Parler pendant 90 minutes et repartir avec 10 000 euros.
D'accord. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, rejoignez-moi mardi. Je vais mettre le lien dans l'email. Connectez-vous, venez en direct parce que je veux que vous puissiez me poser vos questions. Si je ne suis pas à côté de vous, si je n'ai pas de feedback de vous, je ne peux pas vous aider. Et je ne veux pas faire de choses génériques. Je veux vraiment que vous puissiez repartir avec des idées que vous allez pouvoir appliquer efficacement. Donc, mardi 28 mai, 19h30, heure de Paris. Donc, où que vous soyez dans le monde, appelez et vous allez voir. Vous allez repartir, vous allez être stupéfait. Ce n'est pas très compliqué. Et donc, ça veut dire que comme ce n'est pas très compliqué, c'est accessible à tout le monde. 90 minutes, 10 000 euros, ça va être le challenge que je vais vous fixer. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous à mardi. Ciao, ciao!